La 12e édition de la Saint-Valentin a eu lieu les 12, 13 et 14 février. Cette manifestation célèbre le caractère romantique de la ville de Clisson en proposant un concours d'écriture et des manifestations mêlant spectacle et poésie. Nous nous sommes tout d'abord attardés à la très petite librairie pour un apéro musical. C'est le chanteur espagnol Carlos Lobo Cordon qui animait le début de la soirée. Le café des Cordeliers poursuivait les festivités par une soirée slam. Je veux vivre une histoire d'amour. Que tu m'arraches le cœur et que tu m'offres des fleurs. Je veux être triste et que t'embellisses mes jours. Qu'on nage dans le bonheur, même si des fois c'est l'horreur. Qu'on soit que tous les deux, même si on préfère être tout seul. Je laisserai tout le temps traîner mes chaussettes. Je serais trop chiante, je te ferai la gueule. Juste pour que tu baisses pas la lunette des toilettes. À nos amours liquides et à nos étreintes vides de passion et à nos pulsions. Alors embrasse mon corps, embrasse-moi encore. Martèle, ma chère, fais-moi taire. Ne pose pas ta main sur mes hanches, n'arrête pas ton chemin sur tout moi et penche-toi sur moi. J'ai un penchant pour le néant de nos sentiments. Conserve tes beaux discours pour la prochaine avec moi, pas la peine. J'en devine déjà les contours, je suis une coquille vide. Et sur mon visage livide, la passion m'effleure, me caresse et me laisse sans pleurs, je n'ai plus de cœur. C'est un secret que je gardais. Cette fois, j'essaie, je sème. C'est un secret, tout devient vrai. Je serai plus jamais le même. Fort de la tendresse de nos ivresses, je revis. C'est comme la richesse, toi. C'est un secret, je donne en vrai comme jamais, je sème. C'est un secret, un moment vrai, c'est à jamais, je sème. Si l'amour est un corps dont on creuse la tombe dans le mou des thèmes blanches, les lits sont la balance de sommeil de plomb qui ankylosent les cœurs et fendent les matelas. Ils apaisent les corps et pèsent sur les têtes, nous livrant aux cauchemars et aux longues insomnies. Si le temps qui s'élime est une lame de fond qui saigne les marées et fait mourir l'écume sur la craie des falaises, les lits sont le vaisseau qu'on garde souvent à quai par peur du naufrage. Les arts graphiques présentaient leur activité, leur projet Salle des mariages à la Garenne Valentin, avec un atelier découverte de l'origami et de pliage papier sur le thème cœur et fleurs de papier. L'éponge de Menger était exposée, pièce unique réalisée par Michel Lucas et les élèves de l'école centrale de Nantes. Il s'agit d'un assemblage de plusieurs cubes de papier réalisé avec plus de 60 000 tickets de bus. Le dimanche se déroulait la remise des prix du concours 2010 de poèmes et lettres d'amour à l'oratoire de la Garenne Valentin. Ce matin, on vous convie. Malgré le froid, vous venez avec envie. Dans notre belle ville de Clisson, qui pour beaucoup d'entre nous rime avec passion. Un week-end en Saint-Valentin, pour l'amoureux des mots, quel festin. Poètes et amants, chacun avec talent, ont posé sur la page blanche les mots que l'on attend. Ce public qui nous entoure, chaque année, ce même jour est de retour. Pour, avec nous, fêter l'amour que l'on souhaite avoir pour toujours. Je ne voudrais pas vous rendre impatient. Je vais donc passer aux remerciements.
Aux organisateurs, j'associe les compositeurs. Pour les lauréats, je voudrais que mes mots soient quelques fleurs. Si le motif du baiser est un lieu commun de la littérature érotique, Francesco Patrizzi, platonicien, vénitien et poète du XVIe siècle, le réhabilite en disant qu'il n'est en rien une manifestation bestiale de l'amour, mais bien au contraire, une de ses plus subtiles expressions. Du bout des lèvres, avec succion des lèvres, avec morsure et avec la langue. Arithmétique, en période de réchauffement climatique, une solution à la crise. Les partenaires échangeraient 9 mg d'eau, 700 mg d'albumine, 1,7 mg de matière grasse et 0,4 mg de sel. Mais on ne garantit pas la reproductibilité de l'expérience. Le premier prix donc a été décerné au texte Témé de Nicole Faucheux de Voutezac dans la Corrèze. On avait des participants de loin cette année encore. Alors, Nicole Faucheux gagne une parure de lingerie offerte par Sylvie Lingerie, un chèque de 70 euros offert par La Poste, un pendentif offert par Calypso et un bouquet offert par la CAQ. Donc on aura le plaisir de lui remettre ça quand elle viendra. Et Emmanuel Tudeau, donc de la compagnie Baltimbanque, va vous faire découvrir le texte. T'aimer. T'aimer en silence, à la table d'un café, quand la foule danse et, par vagues pressées, danse sur les rues pavées. T'aimer sans mot dire dans les vitrines éclairées, quand il pleut des sourires sur les parapluies serrés, et qu'ils vont doucement mourir sur ton visage arrêté. T'aimer à l'envi, ta main dans la mienne, quand la nuit surgit et quand close elles s'en reviennent, lever les interdits à l'ombre chaude de nos persiennes.